les gens du royaume d'Aguino. Kiwi! Je vous salue, vous tous. Aujourd'hui est un jour très spécial pour l'histoire de notre communauté. Il a plu au Dieu Tout-Puissant de nous permettre de célébrer les 30 années de notre communauté. Aujourd'hui, je célèbre mon 30e festival d'Ofala. Je suis content que vous soyez venus de si loin pour participer à ce festival, même si le climat ne nous a pas été clément. Mais je vais vous demander de vous en passer, car il y a assez de nourriture et assez à boire pour qu'en mangeant et en buvant, nous puissions l'emporter sur le climat. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je suis pleine. Je ne saurais plus finir cette nourriture. Pourquoi ne serais-tu pas en mesure de finir toute la nourriture? Ce n'est pas de ta faute. C'est ici que tu peux manger ce genre de choses. Oh, Rini! Tu ferais mieux de me rejoindre pour laver ces assiettes. Sinon, je vais laisser ça. Tu vas les laver toi-même. Ah bah... Ah, c'est devenu comme ça. Ça deviendra comme ça pour toutes les choses si je ne te mets pas à ta place. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous faites vous deux ici? Rien, nous sommes de passage. D'ailleurs, qui vous a donné la nourriture en votre possession? Maintenant, qui parmi vous deux a donné la nourriture à ces femmes? C'est à vous que je parle. Ce n'est pas moi. Je ne me rappelle pas avoir donné la nourriture à quelqu'un. Femme, suivez-moi. Je dis que vous devez me suivre. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Arrêtez-vous là. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est Igo qui va gérer ses problèmes. Mais pour l'instant, il est occupé au palais. Alors je vais vous garder dans l'une des cellules du palais. Jusqu'à ce que Hugo sera prêt pour traiter votre cas. Pardon, laissez-moi prendre la nourriture. En fait, il est remettre. Pardon. Oui. Pardon, je t'en prie. Juste prends tout ça, permets-nous de partir. Regarde, si tu vas te peindre chez les Hugo, il va te peindre de ce que tu vas faire. Oh, pardon. Ah bon? Oui. Tu es sérieuse? Oui. Alors, dans ces cas, je vais vous détenir, vous deux. Pardon, comme ça, je vais voir comment Hugo va vous libérer et me punir, moi. Pardon. Allez, bougez. Allez-vous, avancez. 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 Père, je ne pensais pas que tu pouvais aussi danser autant, en dépit de ton âge. Je te remercie, ma fille. Les gens de chez nous disent, une femme ne devient pas aussi vieille pour oublier les pas de danse qu'elle connaît. Bien sûr, mon roi, tu es un grand danseur. Merci beaucoup. Monseigneur, je viens d'attraper deux voleuses. Voleuse. D'accord, amène-le. Je vais le voir. Igwe. Sa Majesté. Qui sont les voleurs dont tu es en train de parler? Honnêtement, je ne sais pas vraiment. C'est juste ces gardes qui viennent me former. Deux voleuses ont été attrapées en train d'essayer de voler du riz et de la viande. Et ont été détenues au palais. Igwe. Mon roi, voici les voleuses. Oh, Jenny, comment tu as perdu ton sens? Comment tu peux avaler Oloma et sa fille, tes voleuses? Ne sais-tu pas que Oloma est la femme du défunt frère de mon mari qui est mort et que c'est sa fille? Femme, quand j'aurai besoin de ton opinion, je vais la demander. Pour l'instant, fais-moi une faveur et tu vas juste
la fermer. Oulom, je peux maintenant voir que tu as vraiment d'elle. Tu es devenue tellement audacieuse au point de... d'entrer dans mon palais et de prendre tout ce qui te semble bon. Et partir avec. Toi et ta fille abandonnée par les dieux. Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous laisser vous en sortir cette fois-ci. Parce que je viens juste de finir mon ophale et je suis en très bonne humeur. Vous n'aurez pas cette chance la prochaine fois. Garde, Igwe, prends tout ce qu'ils peuvent avoir volé. Et donne-les à manger aux chiens. Mais aussi mets-les en dehors de ces palais. Papa, je pense que ce que tu as fait n'est pas juste. Ferme-la. Que tes jours soient longs dans ce royaume, Igwe. Père, je te salue. Bien. Comme le prince couronné, je ne peux que supporter totalement les décisions de papa. Ulama et sa fille sont porteuses des esprits mauvais. Par conséquent, nous devons le mettre à la quarantaine. Mère, Okudeli, je crois qu'il est grand temps que vous arrêtez de vous inquiéter pour des gens qui nous causent du tort. Alors pour en faire, elles doivent rester dans leur rang social. Vous pouvez disposer maintenant, j'ai besoin de repos. Papa, je te salue. Reçois la bénédiction, mon fils. Ici. Je viens de dire que j'ai besoin de me reposer. Qu'est-ce que tu fais encore là? Mon mari. Mon plus fort mari. Je ne pense pas que tu aies une bonne décision. Oloma et sa fille sont notre famille. Elles sont notre sang. Je pense que tu aurais dû les appeler pour qu'ils viennent rester ici avec nous. Puisque nous avons beaucoup de chambres inoccupées jusque-là. Mon grand roi. Le reste de nos esclaves vivent mieux que Oloma et ses enfants. S'il te plaît, mon roi, pense à ça. Je veux me reposer. Va te coucher. Merci, mon roi. Parfait. Je sais que tu as faim. Vraiment faim. Maman mange, non? Non. Bois un peu. J'ai pas envie. Merci beaucoup. Maman. Donc, tu veux dire que oncle Ezona a commandé à ses gardes de vous confisquer la nourriture et la boisson? Mon fils, c'est vrai. Pas seulement ça, mon fils. Il a encore dit qu'il ne veut voir personne de cette maison, dans son palais. Ah, ah. Mais maman, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il nous traite comme ça. C'est exactement ce que je me suis toujours demandé, oh. Les actions de Igwe deviennent de plus en plus mauvaises. Ah. Ma fille, c'est celle la prière. La prière nous sauvera de cette situation. Amen. C'est tout ce que je sais.
Ogo, comment tu vas? Je vais bien. Où est-ce que tu vas avec ces chèvres comme ça? Tu vas au marché? Non. La chèvre nous appartient. Je l'ai pour l'amener au village voisin pour la coupler avec un bouc. Ogo, je dois partir maintenant. Cette chèvre ressemble à celle de mon père. Ok, peut-être que c'est à eux-mêmes aussi. Je crois que tu étais déjà au marché. Oui. Dis-moi un peu, où est-ce que tu as pris cette chèvre? La chèvre est venue comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, papa. Mais je pense que personne ne t'a vu quand tu étais en train de venir. Papa, comment ça? Ne crois-tu plus encore ton fils Onye? Mais c'est mon Onye, non? J'ai parlé sans frein. J'ai oublié que mon fils était un sniper. Tu peux encore le répéter, papa? Tu sais quoi? Oui, papa. Je pense que tu ferais mieux de prendre ça. Prends celui-ci, j'irai avec celui-ci au marché. Avant que je puisse oublier, il y a toujours une récompense pour un travail très bien fait. Pour un travail très bien fait. Juste débrouille-toi avec ça. Je veux que tu prépares une très très bonne soupe. Tape là, papa. Papa, papa. Attacher cette chèvre ici. Hein? Ah! Tiens, je suis fini. Ma chèvre! On m'a volé mon unique chèvre, oh! On m'a volé ma chèvre! Tiens! Tiens! Hé! C'est quoi ça? Je suis fini. Je suis fini, oh! Qui a pu me faire une telle chose? Hé! Hey! Quelqu'un a volé ma chèvre! On m'a volé ma chèvre! Hé! Hey! Hé! Hey! Papa, c'est quoi? Pourquoi vous criez? Tout va bien. Comment est-ce que tout peut aller bien? Quand ma chèvre,
Je n'arrive pas à la retrouver. Je l'avais dit. Je savais que cette chèvre était la nôtre. Ah, mais de quoi tu es en train de parler? Papa, quand je revenais du champ, j'ai vu Oyema, le fils de Chioyana, avec une chèvre qui ressemblait à la nôtre. Ah, es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Oui, papa, je suis très sûr. Ok. Allons chez Chioyana. Allons-y, ma chère. Ces enfants sont pour mes espiègles. Hé! Hey, ces enfants ne vont pas écouter. Tchai! Ça, vous avez mis ça à combien? C'est un Aïra. Ah, Ichie. Qui avons-nous ici? Ichie, bonjour, monsieur. Ma très chère, comment tu vas? Bien, merci. Je peux voir que tu es bien vite. C'est comme si tu n'as pas vendu aujourd'hui. Ok. J'ai vendu tous les légumes et les noix de palme que j'avais amenés. Vraiment? Oh, Dieu est grand. Ichie, coupe un morceau de viande pour moi de 1000 Naira. Tu veux une partie un peu plus spéciale? Non, pas une partie particulière. Je l'ajoute pour ma petite fille. Ah ah! Hey, Ichie, merci monsieur. Merci, merci beaucoup. Non, tu n'as pas à me remercier. Juste prends ça, il va à la maison. Mais n'oublie pas de transmettre mes salutations à mon ami Ebuka. Et sans oublier ma petite fille. Je vais le faire, je vais le faire. Merci. Merci monsieur. Ebuka fait vraiment la fête, oh. Ma chérie. Joyana, Onyema, Ichioyana, Onyema. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Non, il n'y a personne. Ok, nous devons revenir. Nous devons revenir. Nous allons revenir. La vie est bonne quand on a l'argent et... Il faut dépenser l'argent, c'est quand on a l'argent. Mais regardez, un jour, nous mourrons au... Regardez, la chanson là qui joue, je l'aime vraiment. Tu as raison. Andé, tu vois ce mec sait jouer la musique. Mec, c'est un maestro. Ce mec sait jouer la musique, je te jure. Mec, c'est type né dans la musique. Je vous le jure. Tu sais, mec, pourquoi il a beaucoup de fans? Il fait une bonne musique. Mon gars, tu as raison. Je te l'ai dit. J'aime la musique du bar, oh. Je te dis, si tu as faim, ça te donne la petite manger. Tu as raison, mec. C'est une vérité. Une bouteille sur ma tête. J'aime bien ça. Une bouteille dans ma facture. Mais tu sais, j'aime quand tu parles comme ça. Dieu merci. On est des boss, on est des boss, on est des boss. Faisons la vie, mec. Chioyana, bonjour. Oulama. Tu as l'air très mal en point. Tu étais malade. Non, je ne suis pas malade. Seulement le temps est difficile ces derniers temps. Très difficile pour moi et mes enfants. Nous mangeons difficilement. On n'est pas en mesure de manger trois fois par jour. Viens là,
Tu vois pourquoi j'avais dit que tu as besoin d'un homme comme moi pour te prendre en charge toi et tes enfants. Ulama, tu es une très jolie femme. Mais ton problème est que tu es vraiment avare. Tu es avare. Hein? Jamais. Pardon, Oyana. Cette façon de vivre ne t'aidera pas. Je ne permettrai pas d'ouvrir mes jambes pour qui que ce soit, même pas toi. Cette chose est en train de pourrir, oh. Je suis en train de dire la vérité. C'est en train de pourrir, oh. Je veux dire, écoute, juste sois flexible. Tu veux dire que tu l'utilises juste pour te soulager? Ulama, laisse-moi l'utiliser pour toi, même juste pour une seule fois. Jamais. J'ai eu la décision, après la mort de mon mari, de les garder pour mon Dieu. À lui de voir comment c'était quand mon mari m'a laissé. Même pas toi, Oyana, tu ne pousseras pas à agir contre cette décision. Voyez-moi ça. Ulama, tu veux partir avec cette chose juste dans ta tombe sans même l'utiliser? Oui, je le consacre à mon Dieu. Écoute-moi, cette affaire est close. N'essaye plus jamais de ton vivant. L'arrêter en cours de lui pour ce genre de bêtises. Tes amis sont là-bas en train de se repentir. Ils donnent leur vie à Christ. Abandonne leur mauvaise vie. Tu ne cherches que ce qui est entre les jambes de femme. C'est quoi ton problème, Yana? Laisse-moi pardon, stupide. Laisse-moi seul. Et laisse-moi passer. Allez, va-t'en. Emmène-le dans ta tombe, c'est déjà en train de mourir. J'allais oublier, laisse-moi te dire une chose. Quel que soit le temps que ça prendra, j'aurai ce que j'ai toujours voulu, je te jure. Qu'est-ce que tu crois que tu es la mireille de Jericho qui ne peut pas tomber? Regarde-moi ça, n'importe quoi. Quitte-la. Je finirai par avoir ce que je veux. C'est tout ce que tu sais. Qui est dans cette maison? Mansou Yana! Qui est là? Venez derrière la maison. Et Dieu, je te salue. Mazé Okuchi, tu es le bienvenu. J'espère que tout va bien. Non. Aucune chose ne va comme ça le devait. Ton fils a volé ma chèvre. Et je suis ici pour la reprendre. Ici, Okichuko. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Parce que mon fils n'est pas un voleur. Il ne peut pas faire une telle chose. Oui, papa, je suis très sûr. Oui, je l'ai vu et quand je lui ai demandé, il m'a dit que la chèvre était pour vous. Et qu'il a amené un village voisin pour qu'elle s'accouple avec un boucle. Donc on a... Tu es sûr que tu as vu mon fils avec tes deux yeux? Oui, je l'ai vu. Mazé Okechu, tu ferais mieux de ramener ta fille à la maison. Pose-lui quelques questions. Parce que mon fils n'est pas un voleur. En outre, je ne suis pas le seul boucher dans cette communauté. Et pourquoi ne vas-tu pas chez un autre boucher pour demander ta chèvre? Ou devrais-tu peut-être créer dans la rue pour qu'on te la rende? Ça nous éviterait de problèmes. Ogona. Oui, papa. Es-tu sûr que la personne avec qui tu as vu la chèvre est Onyema? Et même si tu as vu Onyema avec une chèvre, es-tu sûr que cette chèvre était la nôtre? Demande-lui, demande-lui. Papa, je suis très sûr. Hein? Ichi, ne t'en fais pas. D'accord, je dois aller me laver. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Je veux que tu me permettes de fuir ta maison. Tu veux fuir ma maison à cause de ce que ta fille a dit. Regarde-moi le problème. Ok, si tu fuis dans ma maison et que tu ne trouves pas ta chèvre, ne pense pas que je vais me la jouer facile. Parce que c'est une fausse accusation. Je vais rapporter ce cas à Igwe. Je vais aussi les rapporter au conseil des anciens. Tu sais ce qui va arriver. Il y a une pénalité pour toute fausse accusation. Revois ta décision. Je suis prêt à subir toute pénalité. Regarde-moi ça. Tu es prêt pour toute pénalité? Oui. Mazé Okechuko, tu peux aller fuir. Vas-y, fuyez. Vous pensez que je peux garder la chèvre dans cette maison? Je ne suis pas stupide pour faire une telle chose.
Etienne, je suis désolé de t'avoir accusé à tort. Non, 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 non. Garde tes excuses pour toi-même. Garde tes excuses pour toi-même. Parce que quand je t'ai dit, avant que tu n'y ailles, qu'il y a une pénalité pour toute fausse accusation, qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis prêt pour toute pénalité. C'est déjà arrivé. Ok, tu cours, c'est déjà arrivé. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais t'aider dédommager. Ogona, allons-en. Allons-y. Au revoir. Regardez-moi ces deux idiots. Ils viennent chercher une chèvre qui a été mangée depuis très longtemps et qui est prête à sortir même du ventre. Le bébé s'est-il endormi? Oui. Ton ami te demandait... Mon ami? Lequel de mes amis? Ichi Oyana, où est-ce que tu l'as vu? J'étais au marché pour acheter la viande et il t'a salué. Ça va faire plus de 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. De toutes les façons, l'un de ces jours, je ferai un effort pour aller le voir. Si tu le dis... Onyema, papa, pourquoi tu m'avais menti? Papa, je veux dire, mais pourquoi tu m'avais dit un mensonge? Papa, comment? Moi, Onyema, papa, t'es menti? Quand? Onyema, tu m'as dit que personne ne t'avait vu avec la chèvre. Oui. N'est-ce pas ce que tu m'avais dit? Oui, papa, oui. Oui. Mais, Masi Okechuko et sa fille sont venus ici cherchant leur chèvre. Et sa fille était en train d'insister qu'elle t'avait vu avec une chèvre. Et où? Papa, qu'est-ce que tu leur as dit? Et tu me demandes ce que je leur ai dit. Je n'ai pas de temps pour ça. Mais, papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je suis désolé. Je suis désolé, papa. Onyema, sois désolé pour ta tête. Je dis sois désolé pour ta tête. Papa, mais où vas-tu comme ça, non? Regarde-moi cet enfant. En quoi est-ce que le lieu où je vais te concerne-t-il? Hein? Papa, il fait tard. J'ai un important rendez-vous qui m'attend. Papa, c'est à cause de ta vie. Onyema. Tu as ta vie à vivre et j'ai ma vie à vivre. Stupide. Allô? Hein? Tu es où? Je suis dehors. Ok, j'arrive. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici. Désolé, pardonne-moi. Désolé, quand on était des enfants. C'est bon, allons-y. Je pensais que tu n'allais plus venir. Sans effet, Kenseden vienne, je ne peux pas manquer. Aide-moi à enlever ces pantalons. Thank you.
Ichi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà le matin. Il est déjà 5 heures. 5 heures du matin? Oh mon Dieu, que je suis foutu. Oui, exactement. Viens vite, viens vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey. Dépêche-toi, non? Seule et unique, chérie. Comment tu vas? Mais laisse-moi partir. Attends, non. Attends. D'accord, je vais te laisser partir à l'église. Mais je veux que tu me donnes la réponse par rapport à ce que je t'avais dit l'autre fois. Ah, c'est quoi? Je ne sais pas. Ah, Bogo, mais dis pas que tu as oublié. Je t'avais dit que je veux que tu sois comme du sucre dans mon thé. Et tu m'avais dit que... je dois te laisser le temps pour penser à ça. Bien, je continue à en penser. Laisse-moi d'abord partir. Attends un peu. D'accord. Ok. Je vais te laisser partir. Mais avant que tu partes, tu vas me... tu dois m'embrasser. Ogochu, ne me dis pas que je l'ai fait, parce que je ne l'ai pas encore fait. Toi, infirmière de chanvre, et tu veux que moi je sois... ta petite amie. Tu fies à quoi? Jamais. Ogo. Ogo Chuko. Ogo Na. C'est moi, oh. C'est moi, Ujana. Devenir faux. Papa, mais qui t'a dit que les gens qui fuient vont devenir faux? Hein, papa, qui t'a dit ça? Regarde-moi ça, c'est quel genre de question que tu me poses? C'est exactement ce que j'ai entendu et je suis sûr que c'est la vérité. C'est un mensonge, papa. Hein? C'est un mensonge. Papa, regarde. Je te jure, c'est un mensonge. Regarde, ne sais-tu pas que tout le monde dans ce royaume, femme ou homme, est en train de prendre ça? Sont-ils tous devenus fous? Sont-ils devenus tous fous, papa? Tu me donnes vraiment envie de rire. Tu l'as délibérément dit que c'est tout le monde qui le prend dans cette communauté. Maintenant, Onyema, dis-moi. Pourquoi alors tu prends les Igbo? Es-tu déjà devenu un homme? Papa, bonne question. Maintenant, tu parles. J'attendais que je me pose cette question depuis longtemps. Maintenant, papa, regarde. Je prends les Igbo pour quelques raisons. Quelles sont ces raisons? Numéro 1, ça me donne la morale. Et quoi? 2, ça me donne l'appétit. Venez me délivrer. 3, ça me donne la force et ça me donne l'inspiration de jouer mes cassettes. Papa, tu sens ça? S'il te plaît, fous-moi la paix avec toutes ces balivernes. Papa, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Tu vas aller où comme ça, papa? Regarde. Juste essaye un peu. Essaye un peu? Papa, juste un coup. Je vois que tu commences à perdre tes sens. Je te dis, papa, tu vas aimer ça. Je vois vraiment que tu commences à perdre tes sens. Papa, si tu prends seulement un coup, la force que ça va te donner. Je te jure, la prochaine veuve que tu vas rencontrer ne va pas te quitter pour un autre homme. Mon Dieu, épargne-moi des enfants de cette génération. Onyema. Papa. Qui est-ce qui t'a dit que je couche avec de femmes veuves dans cette communauté? Papa. Est-ce que tu n'es pas mon père? Est-ce que je ne suis pas ton fils, Onyema? Comme d'habitude. Papa, oublie ça. Regarde, papa. Attends. Tu as dit,
Si je prends juste un peu, ça va me donner la... Papa, je jure, si tu prends ça et que ça ne donne pas la force, fais-moi tout ce que tu voudras. Je suis en train de te dire. Es-tu vraiment sûr? Je te l'ai dit, papa. Regarde. Confirme que ça va me donner la force. Regarde, papa, je te le jure vraiment. Je jure. Mets tes pieds comme ça. Prends juste un coup. Oui, comme ça. Lentement, allez. Tiens-les bien. Tu es sûr que ça va pas me faire du mal? Je te jure. Juste un taf. Tu n'avales pas. Tu le fais sortir. Tu le fais comme un pro. Tchai. Oh, les mains. Hey, papa. On y est, mais si quoi, nous, papa, papa, t'es un mec. Tu as vu ce que je te disais. Igwe. JM. Monsieur. Comment tu vas? Très bien, monsieur. Bien. Bienvenue. Merci, monsieur. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, tout va bien, monsieur. D'accord. C'est juste le rapport de la société que je vous ai... Je vous ai apporté, monsieur. Je vois. D'accord. Laisse-moi voir. Merci. Très bien, j'ai... Je ferai un effort de le vérifier. Pas de problème, monsieur. J'espère que tout fonctionne très bien. Oui, monsieur. D'accord. Bien. Excusez-moi, monsieur, mais je dois partir. Ouais, passez une très bonne journée. Merci, monsieur. D'accord. Là. Mon prince, bienvenue. Merci, content de te voir. Comment tu vas? Je vais bien, oh. Mon prince. Maman. Bienvenue. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es le bienvenu. Merci, maman. Prends une chaise. Prends la chaise pour le prince. Ok. Prends la chaise. Bienvenue. Comment va tout le monde là-bas dans le palais? Le roi, la reine et tous les servants, tout le monde. Tout le monde se porte très bien. Tu es vraiment le bienvenu. Tu es bienvenu. Je remercie. Je suis venu m'excuser pour la façon dont mon père vous avait traité, vous et ma cousine l'autre fois. Je suis très sincèrement désolé pour ce qu'il avait posé comme acte. Mon cher, tout ça c'est dans la Bible. On a déjà oublié ça. On a déjà pardonné et tout oublié. Merci beaucoup. Et merci pour ta compréhension. Merci. Alors, où est Austin de Bar? Mais c'est démon. Il est sorti. Il est allé acheter le pain. Il va bientôt revenir. S'il te plaît, mon prince. Dis-moi, que je t'offre quoi? Je vais préparer les foufous et les légumes. Avec maman. Tu connais ça? Maman. Je n'ai pas faim. J'ai mangé avant de venir ici. Mais cela ne va pas m'empêcher de manger aussi ici. Ça c'est bien, oh. Allez, apprends ce foufou pour lui. Fais vite avec ça, ne traîne pas. Hein? Hey, mon prince, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, maman. Que tout le monde va bien là-bas au palais. Lolo, le roi et tous les servants. Non, tout le monde va bien. Maman...
cette voiture ne vient-elle pas du bal de notre Igwe? Qui l'a garée ici? Donc, ce sont les personnes pour qui Okudeli a décidé de dépenser son argent. Et... il lave même ses mains. Oh mon Dieu. Oh. Hein? Hé! Hey. Il est même en train de manger avec eux. Abomination. Hé! Hey. Allô, aimé. Tu as aimé ça? Oui, maman. Tu vois, tu avais raison. Tu vois, très délicieux. C'est pas comme pour femme d'aujourd'hui. C'est vraiment délicieux. Je savais que tu allais aimer ça. Mon prince. Maman. Tu nous as amené les riz. Oui, mon riz, riz, maman. Et tout ça. Assois-toi là, papa. Écoutez, mon Dieu. Écoutez, merci, merci. Et mon Dieu. Maman, remercie Dieu. Assois-toi, tu vois, que le caman. Tout ça, c'est pour nous. Oui, maman. Mon prince, merci. Grand frère, bienvenue. Ah ah. Maman, mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, mais qu'est-ce qu'il y a ici? T'as vu ce qu'il y a ici? Bienvenue, mon frère. Mon prince. Tout ça pour nous. Pour nous. Maman, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je dois commencer par sauter? Ou je dois commencer à ramper? Ou je dois commencer à danser? Hein? Je vais seulement danser. Mbwano. Mon prince. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Arrête, non. Mon prince, merci. Mon fils, maman. Tu continueras à te bénir. Amen. Il va te bénir. Amen, maman. Amen. Il va bénir toute Amen. Ta Amen. L'armée forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Amen. Amen. No. Amen. 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 Il va pour témoigner la bonté de Dieu. Amen. Amen. Oh. Amen. Igwe. Que vos jours soient longs. Ah, Yana, mon ami, tu es là. Tu ne m'as pas dit que tu allais venir aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Igwe, tout ne va pas du tout bien. Hé! Hey! Mais toi. Hé! Hey! Merci, Igwe. Igwe. Alors, c'est quoi ton problème? Pouvez-vous croire que je vis votre second fils, Prince Okudeli? Donnons à cette sorcière de vivre toutes sortes de nourriture. Hein? Tu commences à me confondre. Qui est cette sorcière de qui tu es en train de parler? Ah, Igwe, nous n'avons qu'une seule sorcière dans ces royaumes. Et son nom c'est Uloma. Si seulement vous pouviez voir la quantité de la nourriture que Okudeli leur a donnée. Honnêtement, ils peuvent même commencer à ouvrir une boutique avec ça. Okudeli a fait ça. Je le vis avec mes deux propres yeux. J'ai demandé à ces garçons mille et une fois de rester loin de cette femme Uloma. Mais aussi loin de tout le membre de sa famille. Cependant, il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est entêté et il m'a désobéi. Igwe. Que ton fils t'ait désobéi. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe pour l'instant. C'est le fait de voir le prince d'un si grand roi manger à son aise dans la maison de cette sorcière Uloma. Il mangeait confortablement. Tu l'as vu? Comme je suis en train de vous parler, je suis sûr qu'il est encore là-bas. D'accord, je t'ai entendu. Et je te remercie beaucoup pour l'information que tu m'as donnée. Igwe.
Vous m'avez entendu? Vous voulez dire que rien ne sera fait au coup d'Eli pour cette façon maladroite d'agir? Les gens de chez nous disent qu'un homme garde ce qu'il a résolu de faire dans son cœur. J'étais entendu. Et merci pour l'information. Père. Papa, vous m'avez appelé. Oui, assieds-toi. Beaucoup de lui, tu as perdu la tête. Je te demande, tu as perdu la tête. Papa, qu'est-ce que je fais? Je te demande si tu as perdu la tête. Mais qu'est-ce que je fais, père? Je t'avais averti pour la dernière fois de désister à aller visiter Ulloma et ses enfants. Ne mange pas avec eux. Je t'ai demandé de rester loin d'eux, je t'avais averti. Tu ne m'as pas écouté. Tu la visites régulièrement, tu manges avec elle et tu en es jusqu'au point d'être ensorcelé par sa nourriture. Et cela fait que tes sens ne fonctionnent plus bien. Et cependant, tu te considères comme mon fils. Père, j'étais juste allé pour y faire quoi? J'étais juste allé là-bas pour faire quoi? N'étais-je pas averti de ne plus aller dans cet endroit? Tu as décidé de me désobéir. Écoute, je vais t'épargner cette fois-ci parce que je suis en bonne humeur. Mais je t'ai averti. Si j'ai encore un autre rapport que tu étais allé visiter Ulloma et ses enfants, je vais te bannir d'ici. Je vais te chasser de ce royaume et tu vas cesser d'être mon fils. Père, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, père. Est-ce que je suis compris? Oui, père. Dégage. Je suis compris. Allez, sors d'ici. Sors avant que je te maudisse. C'est une fille vraiment très attirante. Oui, mon roi. Va voir toutes les informations que tu peux prendre d'elle. Fais vite. Dis, mon roi. Bien. Igwe, excusez-moi, demoiselle. Bon après-midi. Un bon après-midi. S'il te plaît, comment tu t'appelles? Mon nom est Mirima. Oh, est-ce que tu es du royaume d'Agwenu? Non, je ne suis pas de ce royaume. Je viens de Mompala. Mais mon mari est de ce royaume. Les clans de Oumu précisément. S'il te plaît, ton mari s'appelle comment et qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour vivre? Mon mari s'appelle Mazebuka Okwama. C'est un maçon. Je peux savoir où vous habitez? Ah, ce n'est pas loin d'ici. Juste au coin de l'avenue, derrière le grand arbre. Juste, donne-moi une minute. Igwe, j'ai pris tous les renseignements possibles. Bien, bien. Va lui donner ça. Oui, mon roi. Le roi m'a demandé de vous donner ça. Merci, merci, merci. Je ne savais plus que de jolies filles existaient encore dans cette planète. Qui aurait cru que je tomberais sur une fille aussi charmante et aussi belle comme Mirima? Je n'aurais pas cru cette personne. Maintenant, je l'ai vue et je pense vraiment qu'elle représente un défi à tous les hommes. Si seulement, je pourrais la voir, tout à moi seul. Entre. Sa Majesté. Pourquoi tu ne dors pas? J'ai entendu, on dirait que tu parlais toi-même. Est-ce que tout va bien? Toute chose va bien, mais tu connais le challenge d'être un roi. Il y a des occasions où tu deviens obsédé par le problème de ce royaume. Ce n'est pas quelque chose qui peut me surpasser. Ne te dérange pas pour ça. Va te coucher. Bonne nuit, Sa Majesté. Passe une très excellente nuit. Mmh.
je suis obligé de la voir toute pour moi-même. Mon bébé, regarde-toi. Bébé. Tourne un peu, tourne un peu. Ma chérie, il n'y a que 2 ans que tu as voyagé en Amérique pour ton programme de master et regarde-toi, tu es tellement excitante. Bébé, arrête ça. Tu me flattes. Alors, regarde, tu sais que je suis pas un flatteur. Je suis pas en train de te flatter. C'est mon cœur qui te parle. Tu es vraiment ravissante. Merci, bébé. Oh. C'est fini. C'est bien. Ah, vous pouvez partir. Alors, dis-moi, bébé, comment tu vas? Ouais, bien. Ton absence a constitué un trou difficile à combler. Content de te voir, ça fait vraiment longtemps. Je peux imaginer. Bébé... Tu m'as manqué. Bébé, tu ne peux pas imaginer comment je me sentais quand j'étais loin de toi. C'est vraiment trop ennuyant. Tu es ma vie. Je sais. S'il faut que je dise la vérité, tu m'as aussi manqué. J'ai manqué tout à propos de toi. Ça me va droit au cœur. Merci. Chérie, tu ne sais pas comment c'était atroce. Je manquais tout de toi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Tu ne sais pas comment ça m'a manqué. Je veux que tu me nourrisses comme un bébé. C'est bon, bébé. Ah. C'est bon. C'est encore délicieux quand c'est toi qui me nourris. Désolé. Ça me fait penser. Comment s'est passé l'anniversaire d'Ofala de ton père? Oh, le festival d'Ofala. C'était vraiment une réussite. Mais maman était très ravissante ces jours-là. Oh, j'ai oublié. Ma mère me l'a dit. Elle a dit qu'elle était vraiment jolie. Elle était vraiment ravissante. J'ai manqué. J'aurais voulu être là. Et une chose. J'ai pas vu tes gars quand je suis entré dans la parcelle. Il est parti avec ma maman. D'accord. Et mon frère, mais ils vont rentrer bientôt. Ok. Ils ne vont pas traîner. Et regarde, tu veux me faire une faveur. Tu ne vas pas en dehors du palais sans tes gardes, ok? Oui, c'est vrai. Je ne veux Merci. Pas que tu le fasses. D'accord. Ah, chérie. Maman, maman, ne t'en fais pas pour moi. Je me porte bien. Je vais juste rentrer à porte-à-porte. Parce que père croit que je suis en train de devenir arrogant. C'est ce que ton père pense. Parce que tu as visité tes cousins. Ton séjour n'est pas encore fini au coup d'élai. Ça va expirer les vendredis. Pourquoi tu ne restes pas? Comme ça? Une fois que tu rentreras, ce sera pour reprendre le boulot. Mère, tu sais très bien que je n'ai jamais été contre ta volonté avant. Mais pour le cas échéant, j'ai pris ma décision. Je dois partir maintenant. Au coup d'élai. Maman. N'oublie pas de m'appeler quand tu arriveras à Port-à-Court. Je t'appellerai, mère. De telles choses, tu sais très bien que je ne peux pas les oublier. Que Dieu soit ton guide. Amen.
Bon après-midi, monsieur. Ikuko, monsieur, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Igo a dit que tu dois venir avec moi au palais. Au palais? Oui, monsieur. Oh, est-ce que c'est aussi urgent? Oui, monsieur. D'accord, donne-moi quelques minutes. Je veux mettre un habit beaucoup plus raisonnable. Pas de problème, monsieur. Papa? Papa? Oui. Tu m'as pas dit que tu allais sortir? Quoi? Je ne vais pas être long. Papa, qu'en est-il de l'argent que tu m'avais promis si je finis de laver tes habits? Onyema, je vais te donner l'argent dès que je serai de retour. D'ailleurs, tu n'as même pas encore fini de laver ses habits. Maman? Non. Je vais vite au champ des rois Neke. Hein? Non, attends d'abord, tu dois manger avant de partir. La nourriture sera cuite bientôt. Maman, ne t'en fais pas, d'accord? Juste garde ma part. Quand je vais rentrer, je vais manger. T'as ma parole. Je vais garder ta nourriture. Bon, je dois partir. Ma chérie. C'est encore qui à l'appareil comme ça? Mais laissez-moi voir. Maman, c'est le prince Okudeli. Bonjour, mon prince. Bon après-midi. Bon après-midi, Ostagema, mon frère. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? C'est comme si tu es en train de conduire. Parce que je n'ai pas entendu le son de véhicule. Oui, mon frère. Je suis en train de rentrer à Porte-à-Corte. J'allais venir pour vous informer, mais je n'ai pas eu le temps pour faire ça. Ok. Alors, comment va maman et Adobe? Elles vont bien. Elles sont même là avec moi. Hey, salut le prince pour moi. Oh, maman a demandé de te saluer. Bon après-midi à elle aussi. Dis-lui que je vais rentrer pour écouter sa voix. Nguano, bonne route. D'accord, merci mon frère. Fais attention en conduisant. Oh. Biko, bon voyage. Oh, sois prudent. Oh. Bye. Bye bye. Maman, c'était au coup de lit. Il a dit qu'il est rentré à Porte-à-Corte. Et qu'il allait venir pour nous informer, mais il ne pouvait pas le faire. Oh, peut-être que c'était urgent. Oui, oui, ça peut être ça. Tu as raison. Ça se passe bien. Oui, oui, je l'ai fait. Bon, maman, je dois partir. Oh, maman. Voyage bien. Qui m'en prend. Je vais garder ta nourriture. Maman, je suis dans la maison. Entre à la maison. Moi, j'ai fini de laver les habits. Avec toi. Et qu'un instant, c'est juste un peu. Ça veut dire quoi, juste un peu? Mais tu es là depuis une heure et demie. Fais vite, on a notre chat à fouetter, tu le sais. Regarde, ne m'insulte pas, Ekené, ne m'insulte même pas. Tu sais très bien que j'ai un ventre qui coule. Alors attends. Ne me dis pas que tu transpires parce que je suis en train de déféquer. Mon pote, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de traverser.
Tchee! J'ai mangé le foie, le riz et les haricots. C'est ce qui m'a donné de maux de ventre. De maux de ventre. Ça t'apprendra. Quelqu'un est en train de venir. Allez mec, allons nous cacher. Ogona n'est pas ma copine. Elle m'avait insulté. Mais aujourd'hui, elle aura sa leçon. Comment veux-tu le faire? Nous allons couvrir nos visages. On va l'attraper et on va la violer. On doit la violer. Hein? Oui. Ok. Je n'arrive pas. Aide-moi, aide-moi. Aïe. Allons-y. Igwe, je ne vous ai jamais vu aussi dérangé. Hein? C'est quoi le problème? Je veux dire, confiez-vous à moi et dites-moi c'est quoi le problème. Car tout problème que vous partagez, ce problème-là est résolu. Bien, merci beaucoup pour t'être concerné. Ce n'est pas vraiment un problème en soi. Parce que ça n'a rien à voir avec la communauté. Bon, d'accord. Si on doit traiter ça comme un problème, appelons-les alors. C'est à propos de mon cœur. C'est un problème du cœur. Oui. Je veux dire, il y a cette jeune femme que j'ai vue. On m'est conduisé sur Omeiken. Et, chérie, honnête avec toi, c'est l'une des plus belles filles sur qui j'ai posé mes yeux. Et je me suis dit moi-même que je dois connaître qui étaient ces jeunes femmes. Alors, j'envoyais mon garde. Et il était parti après elle dans le village. Il est revenu et il m'a donné tous les détails dont j'avais besoin. Premièrement, son nom est Mirinma. Deuxièmement, elle est mariée à un laboureur dont le nom est Ebuka. Et troisièmement, ils habitent dans une maison derrière l'arbre de Hiroko qui se trouve au coin du village. Non, non, non. Attendez, attendez. Igwe, vous avez dit que la maison se trouve derrière l'arbre Hiroko, au coin du village Omeke. Je la connais. Tu es sûr? Je la connais très bien. Igwe, son mari est un très bon ami à moi. Et ils ont même eu une fille. Ezeoko,
Mirima. Oyana. Igwe. Je dois t'avouer ça sincèrement. Je l'aime. Igwe. Mm-hmm. Vous êtes les Igwe de ces royaumes. Tout ce que vous désirez, vous l'aurez. Mm-hmm. J'aime ce que tu viens juste de dire. Comme tu peux le voir, ces murs ont des oreilles. Ça, c'est une chose dont nous devons discuter à l'intérieur. Entrons. Nous sommes convenus à 2000 naira. Mais je vais te donner 3000 naira. Tu as beaucoup travaillé. Merci beaucoup. Dieu va te bénir. Amen. Il va te bénir. Hein? C'est ça. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi garder le reste pour autre chose. Que Dieu te bénisse. Je souhaiterais que le gène de ce royaume humide ton humilité. Ah, malgré que tu es licencié. Mais tu es toujours humble en faisant ce genre de travail. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je vais faire? Devrais-je, parce que je suis licencié, rester à la maison pour que le gouvernement puisse m'engager? Bon. D'ailleurs, tu vois ce petit job que je fais? J'ai commencé à le faire quand j'étais encore à l'université. En effet, c'est ce que j'ai utilisé pour payer mes frais à l'université. Es-tu sérieux? Tous ces petits jobs donnent de l'argent, oh. Je n'ai pas d'autre choix. J'admire ton courage. Merci, oh. Garde ça pour toi. Oh. Rappelle-toi toujours de Dieu. Un jour, il entendra tes cris. Merci beaucoup pour tes encouragements, hein. J'apprécie vraiment. Oh, merci. Mon frère, Onyema de Oyema. Oh mec, comment tu vas? Mon frère de l'autre mère. Hey. Oh quoi? Mec, où est-ce que vous avez pris ça? Oh mec, c'est venu comme d'habitude. La chose est venue comme elle a toujours été. Comme d'habitude. Je te dis, regarde, voilà ce qu'on va faire. Va dans la cuisine et allume le feu. Ha, mec, s'il te plaît, mec, va faire le feu. Le mec, vous êtes mordant. Oh mec, attendez, bon, attendez. Fais vite. Allez, tape là. Mec, tu es le meilleur. Mec, c'est fait. Donne-moi ce couteau. Allez, mec, oui, mec. Venez comme voilà. Ça. Allons-y. Dogona, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais pourquoi pleures-tu? On m'a violé quand je revenais du sang. Ah! Mon unique fut violée. Je ne l'ai même pas vu, c'était caché. Hey! Attends-moi, attends-moi. Ne nettoie pas ça, ne nettoie pas, ne nettoie pas ça, attends. Ha 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 ha!
lève-toi. Prends-toi ma bouche. Porte-la. Allons-y. Attendez, Prends ta part. Oh le mec, je vous arrête, tu as déjà pris. Allez. Il ne fallait pas que je prépare ça au... Non mais, qu'est-ce que tu es en train de dire? Odja, je connais Odja, non? C'est un bon cuisinier. Tu as raison, mec. C'est une vérité. Oh le mec, on va commencer à faire ça chaque jour, comme d'habitude. Nous allons porter un autre comme d'habitude. Oh mec, qu'est-ce que tu as? Mec, c'est moi qui ai préparé, je prends la plus grande part. Fais comme tu veux. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Papa, bon après-midi. Hey! Oh mon Dieu, aide-moi, ça ce n'est pas un rêve. Donnez-moi, papa. Où avez-vous pris, toi et tes amis, le poulet que vous êtes en train de manger? Papa, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Papa, est-ce que tu es en train de dire qu'il y a des garçons comme nous pouvons manquer l'argent pour acheter le poulet pour manger? Hey! Et toi, je suis en train de parler, toi, tu es en train de manger cette chose. Je vous connais tous très bien. Je sais que vous n'avez pas d'argent pour acheter un poulet. Ah, oui. Jello. Nyema, est-ce que c'est comme d'habitude? Oui, papa. Oh, papa. Non, papa, c'est quand même. Non, papa, c'est assez. Oh, le mec, ton vieux, c'est un bon type. Il a bien compris le plan. Comme d'habitude, papa. Ah, papa, c'est un bon gars, oh. Un vrai type. Je vous l'ai dit. Ah, je t'assure, tu as raison. Très bien, s'il vous plaît, mettez-vous. C'est quoi le problème? Elle est en train de pleurer. Igwe, permettez-moi, notre royaume est transformé en une autre chose. C'est quoi le problème? J'avais envoyé ma seule fille au marché. Et sur son chemin, un certain groupe de garçons l'ont attaqué. Et ils l'ont violé dans le bois. C'est pourquoi nous sommes ici, Igwe. Lève-toi. As-tu reconnu ceux qui t'ont fait ça? Non, mon roi, ils avaient mis des masques. Ils ont masqué leur visage. Oui, mon roi. Igwe, ils ont déshonoré ma seule et unique fille. Oh. Bien, ils l'ont déshonoré. Elle ne pouvait pas les identifier. Alors, je ne vois pas ce que je puisse faire. Si elle était à mesure d'identifier ces individus, bien, j'aurais pu faire quelque chose. Mais à partir de ce qu'elle a dit, leur visage était masqué. Alors, elle ne peut identifier aucun d'entre eux. Ce que je vais te suggérer maintenant est... emmène ta fille voir un docteur. Et fais-la examiner. Et s'il te garantit que... elle n'a rien contracté de ces jeunes gens. Je vais faire en sorte que mon garde vous donne l'argent. Donne-leur l'argent pour l'hôpital. Igwe. Ogon, allons-y. Emmène-la à l'hôpital. Comment je vais faire pour accomplir ça et satisfaire sa majesté? Je sais que c'est une tâche vraiment difficile, mais si je réussis de faire ça, je crois que ma relation avec lui deviendra très cordiale et mon avenir sera vraiment rassuré. Si je réussis mon avenir,
sera grand. Mon avenir sera vraiment grand. Je dois faire ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma chère. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Et comment va ta petite fille? Elle va bien. Mon mari prend soin d'elle à la maison. Oh, c'est bien. Ah, Ichie, tu n'es pas parti au marché aujourd'hui? Oui, je ne l'ai pas fait parce que je dois participer à une réunion très importante. À Omantala, c'est ma maison maternelle. Ok, mais ça, ce n'est pas le chemin de Omantala. Tu as raison. Mais je dois laisser quelque chose sur l'un des membres du cabinet. Chewu Chuezuna. Ok. Donc je ne vais pas acheter chez toi aujourd'hui. Ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème. Tu peux acheter chez un autre boucher aujourd'hui. Oh. Ok, dès que tu arrives là-bas, transmets mes salutations à tout ton peuple. Je vais sûrement faire ça. Je dois partir maintenant. Prends très bien soin de toi. Merci, Nai. Ebuka, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ebuka? Oui, on est là. Ah, ah, tu ne reconnais pas ma voix? S'il te plaît, assieds-toi, je me prépare, j'arrive. Ebuka, Ebuka, ah, oh, mon ami. Hey, ah, ah, de longue date. Boukas, c'est toi. Hey, mon meilleur ami. Je t'en prie, mets-toi. Ça fait longtemps. Bienvenue. Merci, mon ami. Ebuka. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est vus, nous deux. Exactement. Et ma femme m'a toujours dit, chaque fois que tu m'as demandé. Et je me suis dit que je dois chercher un jour où je dois venir te voir. Ebuka, tu me fais rire. Tu planifies de venir me voir, mais c'est moi qui ai fait le premier pas. Moi, je suis venu te voir. Tu es le bienvenu. Attends un peu. Est-ce que celle que je vois, c'est ta petite fille? Bien sûr, c'est elle. Oh, mon Dieu. Donne-la-moi un peu. Elle est là. Les enfants ne traînent pas où. Elle a vraiment grandi. Vraiment. Elle a vraiment grandi. Oui. Elle est vraiment la photocopie de sa maman. Regarde son nez comme sa mère. Même ses yeux. Oui. C'est la main de naissance de Dieu. Tu es en train de me dire indirectement que sa mère l'a emporté sur moi. Bien sûr, c'est ce qu'elle a fait. Mon ami. Hein? En passant, quel âge a-t-elle? Si j'ai encore bonne mémoire, elle va avoir 2 ans. Le 20 du mois prochain. Mon Dieu, les enfants grandissent vite. Oh, cette petite fille. Hein? Boukas, et tu, Anna, maintenant que tu es assis, dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? Et Jineke, qu'est-ce que tu as? Avant que je ne puisse prendre ça, s'il te plaît, prends l'enfant, je dois aller me soulager. Ma chérie, prends les bras. De quel côté? Où est-ce que je dois aller me soulager? Oui, tu peux partir comme ça. Je vais plutôt comme ça. Pas de problème. Ok, si tu le dis. Oline titata, oline, hola choco. Onye titata, olini, hola choco. Onye titata, olini, hola choco. Onye titata, olini. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. C'est comment? Je l'ai laissé seul avec sa petite fille. C'est que nous devons frapper immédiatement. Exactement. Bien. Exactement. Allons-y.
Oline, à la choco. Oline, tita tuku. Oline, oma tita. Comment ça va? Tu aimes ça? Oye tita tuku. Oline, tita ta. Oni titata, oline, oma la choco. Oni titata, oli. Il y a un bébé qui pleure. Ne pense pas qu'il y a un bébé aux alentours ici. Non, pas du tout. Ouais. Attends. Mirima, mon amie, elle est une petite fille. Mais le bébé a grandi. Elle n'a pas donné naissance à un bébé. Hey, mais un bébé, c'est un enfant. Et tu es sûr que ce bébé qui pleure n'est pas son bébé? Je ne sais pas. Comme sa mère, c'est ton amie. Ah, tu es vraiment devenue méchante, toi. Tu es vraiment devenue méchante ces derniers temps. Ah. C'est vrai, oh. C'est vrai. Et du coup, attends-moi, on part ensemble. N'arrive pas jusque là-bas, on reste ici. Non, allons vérifier là-bas. Je peux entendre. Allons-y. Attends. Je crois que ça vient d'ici. C'est ici. Mais pourquoi Mirima a laissé son bébé pleurer depuis longtemps? Je ne sais pas. Mirima! Madé Bouka! Tu es sûr qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Je saurai comment. Hey! Ok, viens, on va voir à l'intérieur. Mima! Madé Bouka! Hey! Mon Dieu! Mais pourquoi Mirima a laissé son bébé pleurer seul? C'est pas. Madé Bouka! Madé Bouka! Madé Bouka! Madé Bouka! Chika! C'est ton maman! C'est faux. C'est maman. Hein? C'est ta maman. Ifi, va chez moi. Hein. Prends-moi mon téléphone. Mazé Bouka. Mazé Bouka. Hey! Eh mon Dieu. Ton argent, oh. Amaka, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, merci. Pardon, aide-moi. Ok.
Merci. Oh, est-ce que tu as un autre palmier? Oui, il y en a un là-bas, mais je ne sais pas si les noix de palme sont déjà prêtes. D'accord, allons-y voir si c'est prêt. Et s'il y a des noix de palme là-bas, laisse-moi y aller et le faire descendre pour toi. Mais je n'ai plus d'argent pour te donner. Amara, ne t'en fais pas, je vais le faire descendre pour toi. Hein? Merci, oh. L'argent ne répond pas à tout. Hein? Marche lentement. C'est bien, c'est bien. Maintenant, je veux que vous rentriez au plus vite au palais. Si Igwe me demande, dites-lui, je viendrai plus tard. Filons. Déjà fait. Bienvenue. Comment c'était? Ça s'est très bien passé, mon roi. Bien. Qu'en est-il de Ichi Onaya? Oui, mon roi, il a dit qu'il va venir vous voir après. D'accord, premièrement, je dois vous féliciter pour le travail très bien fait. Hein? Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, doit être enterré dans nos cœurs. Igwe. Cela veut dire que
seulement nous trois. Et Ichie Oyan, devons connaître ce qui s'est passé aujourd'hui. Igwe, une autre personne ne doit pas entendre parler de ça. Hein? Bien, vous avez fait un merveilleux travail, pour lequel je dois vous récompenser adéquatement. Hein? Bien, vous pouvez partir, je vous verrai après. Comment ça va? Bienvenue. Qu'est-ce que tu veux? Je vais acheter le noix de palme. Le noix de palme, 500 naira. Mets-moi un de 100 naira. Un de 100 naira. J'ajoute ça. Merci. Merci. Ah, ma cliente. Bon après-midi. Je vais acheter les légumes sans... Allô? Allô, chica? Je suis au marché. Tu veux que je t'achète quelque chose? Tout va bien? Pardon, hein? Va acheter chez quelqu'un d'autre. Ma soeur! Pardon, surveille mon shop pour moi, oh! C'est quoi le problème, non? Ça, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est mon frère Ebuka? Essaye de te calmer. Viens te mettre. Est-ce que c'est mon frère Ebuka qui est mort? Apaise-toi. Quiconque a fait ça, tout celui qui a fait ça ne verra pas le bonheur. Chica, qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Chica, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à mon frère, Chica? Chica, vous ne voulez pas me dire ce qui est arrivé à mon frère, maman? C'est mon seul et unique frère, je n'ai que lui dans ce monde. Tu vas t'occuper de cette situation. Essaye de te calmer. Tu penses que tu veux mourir parce que ton frère est mort? Tout celui qui a fait ça ne verra pas le bonheur dans sa vie. Ne me parle pas de Dieu. Calme-toi. Si tu dis Dieu, alors qui va prendre soin de cette fille? Dieu va prendre soin d'elle. Qui va prendre soin de sa femme? Dieu va prendre soin de Milima. Ne me dis pas ça. Dites-moi qu'est-ce qui est arrivé à mon frère et dis-moi qui a tué mon frère Ebuka. Hey, s'il te plaît, calme-toi, hein. Ne dis pas ça, mon frère Ebuka. Ebuka. Ikoko, est-ce que tu vois ce que je vois? Hein? Hey! Si, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, hein? Demande à Chica et à Eifi. Elles sont le mieux placées pour t'expliquer ce qui s'est passé. Chica, Chica, pourquoi vos visages sont comme ça? Hein? Chica, s'il te plaît, parle-moi! Hein? Chica, parle-moi! Ne me dis pas de me calmer, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'expliquer. Hein? Ebuka fait quoi? Ebuka fait quoi? Ebuka fait quoi? Hein? Mirima!
réveille-toi. Ne me fais pas ça, Mérima, non, Mérima. Bon. Eh mon Dieu, Mérima, pardon, calme-toi, Mérima, non. Mérima, pardon. Pardon, Mérima. C'est bon, c'est bon. Mérima, pardon, non. Hey. Mérima, hey. Pardon. Calme-toi, calme-toi. Hey. Je peux hey. Pas faire comme ça. Hey. Lève-toi, c'est fini. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, tu es au contrôle. Tenez-la, tenez-la. Igwe, vous auriez dû être là pour voir comment Ikoko et Engele ont démontré leur talent. Et je suis sûr, quand je suis en train de vous parler maintenant, Mirima est en train de pleurer comme une madeleine. Merci beaucoup. J'ai confiance en mes dieux. Je sais ce qu'ils peuvent faire, mais dans cette occasion particulière, s'il y a bien quelqu'un à remercier, ça doit être toi. Ichioyana, c'est vraiment toi qui m'as fait saisir cette occasion. Et pour ça, je me suis décidé que je dois te récompenser adéquatement. Prends cet argent. Igwe. Tout ça pour moi. Oui, c'est pour toi. Prends ça. Tout ça est à toi. Prends ça. Je dois vraiment dire merci. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. D'après tout, qu'est-ce que je fais? Je fais pour vous ce que j'aurais fait pour un ami. Mais je ne m'attendais pas à ça. Hein? Et si je le rejette maintenant, vous allez voir comme si je n'ai pas apprécié l'acte que vous avez fait. Je sais que tu ne t'attendais pas à ça. Mais à voir la façon dont tu l'as mis dans ta poche, tu vois, tu m'as rappelé une occasion. Tu sais, on m'avait une fois invité dans une fête. Il y a de cela 2 ans, je crois. En effet, c'est moi seul qui a été invité. J'avais décidé de prendre quelqu'un avec moi. D'accord. Nous étions partis à cet endroit. On m'avait présenté un plat de riz. Je dois te dire la vérité, c'était quelque chose de ce genre. Et juste une cuillère. Ce qui veut dire que cela a été préparé juste pour moi, seul. Et j'étais un tout petit peu embarrassé parce que je ne savais pas comment j'allais faire avec mon ami. Il n'y avait qu'une seule cuillère. Alors, il sortit pour manifester son appréciation pour cette présentation. Ce qui était totalement non sollicité parce que c'est moi qui l'y avais emmené. Mais il devait dire quelque chose. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ça. Mais nous ne nous étions pas vraiment attendus. Néanmoins, je suis venu avec ma cuillère. Igwe Foniquet. Vous avec vos proverbes. Alors il ne s'attendait pas, mais il était quand même venu avec sa cuillère. Tout ira bien avec toi. Igwe. C'est bien moi. Okala niabekwenkum. Igwe Foniquet. Ekeneni.
Allô? Okudele, comment tu vas? Je vais bien, maman. Mais maman, tu n'es pas couché jusqu'à 7 heures? Non. Non. Je regardais la télé au salon. Je suis en allée déjà. Mais je me suis déjà réveillée. Je vais monter maintenant. Je me suis dit que je t'appelle pour savoir comment tu vas. Ça, c'est ma maman chérie. C'est l'heure d'aller se coucher, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Présentement, je monte en haut. C'est ma maman chérie. Je t'aime. Ok. Je t'aime, mon fils. D'accord. Maman. Bonsoir, mon prince. Waouh! Tu es splendide. Merci. Laisse-moi deviner. Tu as un rendez-vous amoureux. Tu sais, tu as en effet bien deviné. Oui, j'ai un rencard. Et je devais être en route maintenant. Attends. Aimerais-tu m'emmener avec toi? Je m'ennuie ici. Non, s'il te plaît, mon frère, ne dis pas non. Pardon. Ok, on peut y aller. Merci, attends. Tu n'es pas sérieuse, tu crois que j'ai tout le temps pour t'attendre? Je pars. Je ne traîne pas. Bon après-midi, mon prince et ma princesse. Bon après-midi. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, mon prince. Je suis censé vous conduire. J'ai apprécié ça, mais je vais conduire moi-même. Ok? Oui, mon prince. Humanity to man is the order of the day. Wickedness and evil, hey. Humanity to man is the order of the day. Wickedness and evil, hey. Soyez les bienvenus. S'il vous plaît, prenez place. Donc, c'est vraiment vrai. Nerima.
nous avons appris que ton mari est décédé. Et Igwe nous ont envoyé pour savoir si cela est vrai. Est-ce vrai? Oui, c'est ça, mes anciens. C'est vrai. Ah. Madame, sèche tes larmes. Hein? Sois forte, ne pleure pas. Dieu a donné et Dieu a repris. Hein? C'est bon, ma chère. Alors, comment s'est-il passé? Hey! Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je n'étais pas là. J'étais allée au marché. Mes amis ici, là, m'ont appelé. Et elles ont dit que je devais venir vite. Rentrer à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai constaté que mon mari n'était plus là. S'il te plaît, ne pleure pas, c'est bon. Myrioma, s'il te plaît. Myrioma a dit que c'est vous qui lui avez informé et qui lui avez dit que son mari est mort. Ce qui veut dire que vous êtes le seul à soupçonner. Comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Hein? Pas exactement, Ichie. Bien, qu'est-ce que tu veux dire, papa, exactement? Je n'étais pas là avant pour être témoin de sa mort ou de quoi que ce soit qui lui est arrivé. Nous avons été alertés par le père du bébé, mon ami et moi. Et on a vérifié, les sons venaient de ses parcelles. J'ai vu le bébé pleurer. Quand Mazebuka était allongé, ses mains étaient par terre. Hé hey, mais quelle tragédie, on ne revient pas. Pourquoi seulement un effraie? Oh mon Dieu, quelle misère. Honnêtement parlant, toutes ces choses sont vraiment très étranges. Vraiment étranges. De toutes les façons, Mirima. Sèche tes larmes, s'il te plaît. Nebuka Wanemu, essaie d'être forte. Hein? Garde, Onowu. Venez. Donnez ça à Mirima. Igwe nous a demandé de te donner ça. Onowu. Et de t'assurer que il ira jusqu'à la racine de ce problème. Hein? Retiens-toi et sois forte. Hein? Retiens-toi et sois vraiment forte. Mes anciens, merci. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Faites savoir au Igwe que je suis très contente pour le geste. Merci. Anciens, nous vous sommes vraiment reconnaissants. D'accord, restez en paix. Ne pleure pas trop, s'il te plaît. Prends bien soin de toi, ok? Mais merci, on payera de sa vie. Allô, allô. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Oui. Ma sœur, mettons-nous en route. Lentement, haut. Lentement, lentement. Moi, je vais m'occuper de ce petit travail. Tu peux m'attendre. Je pense que je dois partir. Je pars maintenant. Je pars. Ok. Laisse-moi okay. partir. Ma chérie, marche lentement, hein. Fais attention à toi, hein. Fais attention en marchant, hein.